I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Oui, bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première partie du quatrième épisode du Wrestle Rock Podcast. Déjà la quatrième épisode de sa jeune histoire. Je suis Benoît Laferrière et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment ça va, Jo? Hey, en forme! Oh, ouais, très bien, hein? Cool. Ouais, ça va bien, ça va bien. Cool. Puis en ce 31 mai, on a vraiment beaucoup de contenu. Donc, allons-y. On a décidé de commencer par la lutte professionnelle parce que probablement qu'il va y avoir plus de contenu que dans la partie musique. Donc, c'est ça, dans le fond, on fait toujours des recherches et tout ça, puis on avait vraiment beaucoup plus de contenu. Donc, commençons tout de suite avec le premier, la première nouvelle, en fait. Tu voulais parler de Randy Orton, toi? Ouais, Randy Orton. Figurez-vous que le 3 mai dernier, ce catcheur de troisième génération, avec son grand-père Bob Orton Senior et son père Cowboy Bob Orton Junior, eh bien, il est devenu la deuxième superstar avec le plus de matchs télévisés de l'histoire de Monday Night Raw, avec 421 matchs à son actif. Le détenteur de ce record est le maire de Knox au Tennessee, vous l'avez deviné, c'est Kane. Ah oui, c'est vrai. Avec 436 matchs. C'est malade, hein? Il est donc fort probable que Randy le dépasse d'ici la fin de l'année. Ben, j'imagine, là. C'est pas juste qu'il se blessera pas. Non, c'est sûr. D'ailleurs. Je veux pas qu'il finisse comme Draws, là. Non, c'est sûr. Puis, d'ailleurs, à propos de Randy Orton. Oui. Il y a comme de quoi qui est sorti récemment. Il semblerait que Randy Orton et plusieurs autres lutteurs de la WWE. Dont RVD. Oui, c'est ça. C'est ça, je te vois venir, là. Aurait consommé ou consomme toujours de la marijuana durant les événements de la lutte. T'as fait une recherche à ce sujet? Oui, puis honnêtement, je trouve ça un peu lourd. Puis d'ailleurs, on en parlera dans notre projet de juin que nous on appelle le projet McMahon. Le projet McMahon, les amis. Oui, c'est un secret bien gardé, mais on va vous en parler plus en détail dans les prochains mois. Mais si je pouvais ouvrir une petite parenthèse juste avant de passer au prochain sujet. Oui, vas-y. Pour l'avoir vécu, on a passé nos vies dans les backstage. Nous. Ben, nos vies une dizaine d'années, certainement. C'est ça. Y a tellement de monde dans ce milieu-là qui consomme, on s'entend. Ben ouais, ça se compte pas. C'est capoté. Puis, je comprends pas que dans leur pensée, ils se disent pas. Mais c'est parce que c'est des. Faut que tu penses juste à toi-même si tu fais ça. T'sais. Parce que nous, on a toujours été éduqués qu'un combat, ça se fait à deux. Oui, bien sûr. Puis que tu as la vie de l'autre personne dans tes mains. Fait qu'il faut que tu sois 100%. Faut que tu aies tes facultés. Faut que tu aies tes facultés à 100%, c'est ça. Faut que tu aies toute ta tête. Oui, ouais, exactement. Ça, comme quand tu chauffes un char, comme exactement. Quand tu vas t'en travailler. Fait que tu sais, plusieurs qui sont pro-mari pourraient en parler pendant des. Pourrait débattre avec nous, sauf que ça reste quand même que, honnêtement, c'est un peu le même principe que quelqu'un qui s'en va dans un arène bien chaud. T'sais. Ouais, on n'aura pas de nom, mais. Non, tu sais. Mais comme on vous dit, le projet McMahon, un sujet à suivre. Ouais, exactement. Nous allons enchaîner avec maintenant Humberto Carrillo. Vous savez que à Raw, le 10 mai dernier, après être venu défier le champion dans son Open Challenge, le championnat des États-Unis, parce que ça fait une couple de semaines que Sheamus fait ça, il fait un Open Challenge à Raw pour son titre US. Il monte dans l'arène, prend le micro, c'est moi le meilleur,
je défie n'importe qui de venir lutter contre moi, je mets ma ceinture en jeu. Comme Honky Tonk Man à SummerSlam 88, sauf que ça s'est fini mieux un petit peu pour oui, c'est ça, puisqu'on se souvient, il y a quelques années, Honky Tonk Man avait monté dans l'arène, puis c'est pas la bonne personne qui est montée dans l'arène, c'était Ultimate Warrior. Quelques années, ça fait 30 ans, bâton. Qui avait fait quelques cordes à linge et... son Big Splash. Son Big Splash 1-2-3 est devenu le nouveau champion intercontinental de la WWF. Qui a brisé, entre parenthèses, la streak de Honky Tonk Man. 428 jours, je crois. Ouais, c'était au moins 400 jours. Pas 300, ah, je me souviens pas, mais bref. Ça me semble que c'est 428, en tout cas, on fera une recherche et on vous le dira. Yes. Eh bien, figurez-vous que, on va retourner à Alberto Carrillo. Eh bien, le catcheur mexicain s'est en effet blessé en lui portant, il s'est blessé contre Sheamus, en lui portant un sunset flip bomb sur le bord du ring vers l'extérieur. Le move n'a pas bien été exécuté, voyant Humberto Carrillo ne se relevant pas. L'arbitre est venu s'assurer de l'état de santé du catcheur, ouais, qui lui a indiqué souffrir au niveau de l'une de ses deux jambes ou de la hanche. Le match a ainsi été stoppé et Sheamus a tout de même été déclaré vainqueur et conservé son titre US. Mais c'est malade, tu sais, il y a tellement des risques. On parlait tantôt de marijuana puis tout ça, tu sais. Des blessures imprévues. Il y a des blessures imprévues qui peuvent se faire sans consommation. T'sais, on voit une super de bon exemple ici, tu sais. Fait qu'imaginez, tu sais, comment ça pourrait être dangereux si quelqu'un est sous l'effet de quelque chose puis que, tu sais, il n'est pas en mesure de retenir quelqu'un suffisamment quand il fait un mouvement. Tu sais, il peut se passer tellement de plein de choses, là. Puis, tu sais, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, je me souviens d'un bon ami à moi, Nicolas Proulx, à l'époque. Oui. Il avait fait salut, Nick, en passant. Salut, Nick. Il avait fait de la lutte avec nous à Québec, puis ça s'est mal passé avec Mad Dog. Puis, ouais. Salut, Martin! Salut. Puis, il avait reculé dans le coin, puis Martin avait perdu l'équilibre. Puis, il avait malheureusement cassé le fémur à Sap 7. C'est des images qui vont rester marquées dans ma tête toute ma vie. C'est des souvenirs que tu voudrais oublier, mais que tu peux pas oublier. Non, c'est ça. Puis, c'est important, honnêtement, de faire... De prendre soin de soi et de faire attention. Un accident est si vite arrivé. Puis je suis content d'ailleurs que Nicolas va mieux. En parlant de Nicolas, je vais ouvrir une petite parenthèse, ouais, mais ça vaut la peine d'en parler. Nicolas a parti un projet il y a quelques années, ça s'appelle Studio SVC, Studio Sainte Cravache. Ouais, mais il travaillait dans le cinéma, lui, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment cool ce qu'ils sont en train de développer tout le monde ensemble. Ils font des belles choses. Ils ont l'acteur, comment il s'appelle déjà, toi, tu dois être capable de pouvoir me dire. Bah, ça se peut. Pavarone. Ça dit-tu? Pavarone. C'est un maman maudit, je suis pas capable de le trouver. Comment il s'appelle déjà? Pavarone. Mais. C'est un acteur québécois, là, je pense qu'il a joué genre dans Omerto ou une affaire de même. Dino Tavarone. L'interprète du très célèbre parrain Giuseppe Scarfo. C'est ça, ben, il est dans leur équipe. Puis ils filment, en tout cas ils font des affaires, c'est hallucinant. Là. Puis tu sais, j'avais pris une entrevue d'ailleurs de Nicolas qui était à une radio de Québec. Là. Tu sais, ça bouge beaucoup pour lui, fait que je suis vraiment content. Fait que félicitations Nico. Là, on va enchaîner avec WrestleMania Backlash, le pay-per-view qui a eu lieu il y a à peu près 15 jours, c'est ça? Oui. Ça a l'air qu'il y avait... Il y a effectivement eu un Lumberjack match assez particulier entre Damien Priest et The Miz. Assez ouais, particulier, fait, comme on dit. Fait, ça avait fait un petit peu le tour de la planète, tout ça. Un Lumberjack, dans le fond, là, pour vous mettre à la laine... Le match bûcheron. Ouais, c'est un match bûcheron. C'est plusieurs lutteurs qui se retrouvent à l'extérieur du ring. Puis, personne ne peut se sauver. Il y a juste quand même Forcer. Les adversaires ne peuvent pas se sauver à l'extérieur, puisque les autres lutteurs qui sont à l'extérieur vont ramener le lutteur à l'intérieur de la ring. Il y a juste quand même Forcer un peu. C'est ça, exactement. Mais dans le cas, ici, ils ont fait un concept avec des zombies. C'est un peu weird, là, de la façon qu'ils ont fait ça. Je suis pas certain qu'ils auraient pu faire ce genre de concept-là avec des gens dans la salle. Je pense que ça aurait mal passé, mais là, le fait qu'ils sont confinés, ils ont pu rendre ça un petit peu plus cinématographique, puis rendre ça un petit peu plus funky. Bref. Bref, c'est ça. On va mentionner la liste des Lumberjacks que je vais mentionner là. Présentement. Ceux qui ont interprété les zombies dans le film. Exactement, les Lumberjacks zombies. Il y avait Chance Burrow, Joe Ariola,
Matty Wahlberg, Cal Bloom, Jacob Casper, Drew Casper, Xion Quinn. Mon Dieu, il y a donc 20 ans. Il y en a pas à peu près 15. Joe Gacy, Bronson Rechsteiner, Asher Hale, August Gray, Harry Sterling, Hickman Hero, Jake Atlas et le dessert, mesdames et messieurs, Scotty Tuati, Scott Taylor. Colin, ils ont pris. Ils ont pris tout un backstage au complet puis ils ont maquillé en zombie, c'est quasiment ça. Il est coach à NXT, lui, je pense. Hein? Ah, ça se peut, mais honnêtement, ça a fait le tour de la planète, ce fameux Lumberjack, parce que certains étaient pas trop à l'aise avec le concept, nanana, puis tu sais, elle dit, comment ça qu'ils ont fait ça? Pourquoi que c'est arrivé? T'es moi, j'aurais fait ça, mettons, dans un show style Halloween avec. Ouais, c'est ça. Mais peux-tu t'expliquer pourquoi ils ont fait ça? Ouais, ben en fait, depuis plusieurs semaines, la WWE ont... une entente avec la production du film Army of the Dead. Ouais, ouais. Qui, on voit à plusieurs reprises, dont dans les... quand il y a des replays sur les mouvements des lutteurs pendant un Raw, par exemple, il y a toujours un logo du brand Army of the Dead. Puis, ce que j'ai su par les branches, c'est que dans le contrat, il semblerait que c'était un contrat qui était très lucratif, mais en échange, ils devaient faire ce genre de... combat pour faire parler. Puis c'est sûr que ça a super marketingment parlant, ça fonctionne bien parce que toi puis moi on en parle. Fait que c'est sûr qu'ils ont atteint leur objectif. Mais c'est vraiment ça la. Ouais. Je vais t'avouer que tu m'étonnes en maudit, sérieux. Je pensais pas que c'était une affaire de même. Là. Parce que je sais que des fois qu'ils essayent des matchs, tu sais, des Boneyard matchs comme AJ Styles Undertaker, des matchs extérieurs, matchs. Mais ça, c'est un autre type de match que. C'est particulier. Fait que c'est vraiment ça, c'est par rapport au contrat qu'ils ont avec. Ouais, c'est ça, exactement. OK, on va parler un petit peu des matchs qui peuvent avoir rapidement qui ont attiré notre attention à ce pay-per-view qui a eu lieu. C'est comme Sheamus, il a battu Ricochet, là, mais sans plus. Là, le combat a duré 5 minutes. Je sais pas ce qui se passe, mais Ricochet, ils font plus rien avec. Avec le talent qu'il a, ce gars-là, je comprends plus rien. Là. Ah, c'est il devrait faire plus de plus. Récemment, il y a quelqu'un qui aurait posé la question, c'est qui le greatest high flyer of all time? Puis ben, il est comme sorti, genre, publiquement en disant, je peux pas dire exactement ce qu'il non, a dit, mais c'est comme, c'est moi, puis ça a l'air que ça n'aurait pas passé au conseil. Fait que, j'imagine, là, c'est trop pris au sérieux avec ça. Tu sais, entre toi et moi, là, travailler à la WWE, là, ça doit vraiment pas être facile en 2020. Ah, ça c'est sûr. Parce que j'ai l'impression là, qu'ils sont filtrés au couteau. Puis, tu peux plus faire ce que tu veux. Il y a les médias sociaux, il y a beaucoup de canaux. Ils peuvent plus divulguer rien. Avec les médias sociaux, c'est facile de publier des affaires. Fait qu'ils sont tout infiltrés. Fait que j'imagine que ça doit pas être facile pour un lutteur en 2021 de pouvoir se faire valoir d'une bonne façon. Puisque si tu lèves le petit doigt de travers un peu sur les médias sociaux, tu te fais ramasser, t'sais. Tu te rappelles le scandale de Hulk Hogan? Les propos racistes qu'on nommera pas, parce que c'est des mots pas gentils. Ouais, je le sais. Il a avertiré du Hall of Fame, il a avertiré toutes ses marchandises. Ils l'ont finalement armé au Hall of Fame il y a 2-3 ans, mais disons que ça a un petit peu la réputation d'Hogan. Ça a sa réputation. Le deuxième combat, je crois que c'était Rhea Ripley. Ben, c'est le match d'ouverture du show officiel. Ouais, c'est le Triple Threat match. Ouais, exactement. Pour la WWE Raw Women's Challenge. Le combat a duré environ une quinzaine de minutes. C'est un triple threat, c'est un triple menace. Dans le fond, c'était trois superstars de la WWE. La championne Rhea Ripley a mis son titre face à Asuka et Charlotte Flair. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouvais que c'était Charlotte Flair, ça a fait du bien qu'on la revoie dans le ring. C'est pas la première fois qu'ils font ça, ouvrir avec un match de femme. Ils ont fait une coupe de reprises, ouais. Mais Rhea Ripley, là, tu sais, moi, je l'aime beaucoup. Oh, ouais. On dirait que depuis qu'elle est championne, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a un petit laisser-aller. On voit qu'il y a quelques petites affaires qui vont peut-être passer dans le Botchamania. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, ouais, des fucked up. Ouais, c'est ça. Peut-être. Faudrait peut-être qu'elle fasse. Qu'elle fasse plus attention si elle veut continuer de garder son push. Exactement. C'est comme on disait, les lutteurs de la WWE pile sur des œufs. Il y a eu ensuite. Le match pour la ceinture par équipe de SmackDown, Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Yes. Que plus tôt dans la soirée, ils avaient. En bon québécois, sacré de volée à Dominic. Ouais, ouais. Et là, Rey Mysterio était comme contraint de se battre tout seul contre les deux champions. Il a fait une partie du combat seul aux abords du ring. C'était comme un handicap match, là, tu sais. J'ai trouvé ça un peu. Comme Marty Jannetty contre les Power and Glory à SummerSlam 90, quand Shawn Michaels s'était fait blesser au genou par Hercule ou Paul Roma, je me souviens pas. Là. Mm-hmm.
C'est Marty Jannetty qui est obligé de faire ça. Le match tout seul. Le même principe, un peu. Beaucoup de gens trouvaient que ce combat-là était vraiment genre sensationnel, c'était super bon. Hein? Il y a beaucoup de gens. Personnellement, là, j'ai l'impression d'encore une fois être le mouton noir, là, mais j'ai pas aimé ce combat-là. Bon, on est content que les fesses aient gagné. Oui, c'est super. Sauf que j'ai trouvé que pour un combat d'une vingtaine de minutes, Rey Mysterio a fait pratiquement aucun move pendant au moins 10 minutes. Ça traînait de la patte un peu. Je l'ai remarqué, oui. Puis Dominique est arrivé, puis là, il y a eu un retour pour les faces. Il y a eu un revirement de situation, puis le combat est tombé en faveur de la famille Mysterio. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'ils bûchent tellement fort les deux depuis quelques temps. Fait que c'est le fun de voir que père et fils puissent avoir des ceintures. Selon toi, là, selon ta mémoire, Benoît, là, ouais. Est-ce que tu sais si dans le milieu familial, il y a déjà eu ce genre d'occasion? Des champions tag team père-fils? Non, c'est la première fois. C'est la première à fois. La WWE, c'est la première fois. OK. Peut-être dans le temps de la Stampede Wrestling, le Stewart a peut-être été champion de Bret Hart, mais ça, il faudrait que je fasse des recherches. OK. Mais en tout cas, côté WWE, comme le premier duo père-fils champion intercontinental, c'était Curtis Axel, puis son père l'a regretté, Kurt Hennig. Je joue une petite parenthèse parce qu'on parle de père-fils. Non, il n'y a pas de trouble. T'as-tu vu le fils de Scott Hall, Peter? Non, pas vraiment. J'en ai entendu parler, là, mais... Ouais, il look à mort, là. C'est un Hall aussi, avec le même costume puis tout. Je l'ai vu un petit peu grand gaillard, bonne shape. C'est sûr qu'il n'est pas aussi poilu, puis il n'y a pas de temps. Tu sais, mais... Hey, yo! Non, c'est ça. Il est vraiment complètement différent. Puis je l'ai suivi un petit peu, puis j'ai vu qu'il avait eu quelques combats avant le COVID, où il était en équipe avec Kevin Nash. Dans le secteur indépendant. J'ai vu qu'on fait quelques stades. Il y a des stades là, avec beaucoup de monde. Puis Scott Hall, dans le fond, était leur manager. Je trouvais ça vraiment cool. Salut. Un autre petit junior qui ressemble vraiment à son père, c'est Brian Pillman Jr. Oui. Il sent l'air qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a fait un texte sur Brian Pillman. D'ailleurs. Je pense que tu l'as en face de toi. Yes. Ben, on pourrait quasiment te nommer notre archiviste. C'est particulier, Ben, une mémoire, comme je disais, phénoménale. Puis Ben a écrit un texte récemment. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, bien sûr. À propos de quelques faits saillants sur la carrière du défunt Brian Pillman. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques minutes et de lire et de partager cette publication-là. C'est du bonbon. Tout comme le texte pour rendre hommage à Macho Man. Oui, il y a eu beaucoup de... Bon, je suis un bon recherchiste. C'est bon, ça. Super, on va t'engager. Merci beaucoup. Ensuite, il y a eu on parlera pas du Lumberjack match parce qu'on en a parlé tantôt. Ouais, Damien Priest qui a battu Demise. On peut s'entendre pour dire que c'était pas un bon match? Là? Ouais, c'était ordinaire. Ouais. Mais c'était côté cinématographique, c'était bon. Les zombies, les costumes, ils avaient vraiment l'air d'être des morts vivants. Ben, les zombies, c'est morts vivants. On va dire comme nos compagnons français qui nous suivent ardument sur les médias sociaux. Qu'on salue d'ailleurs, oui, salut les Français. Ce combat-là, c'était de la pure rue. Ah ouais, c'était bien ordinaire, disons. Ouais. Ensuite, il y a eu la championne de SmackDown, Bianca Belair, qui a battu Bayley. Elle a fait un genre de petit paquet avec sa grande couette. Ouais, une espèce de move mexicain avec les pieds et la couette. C'était quand même pas si mal, par contre. J'en ai déjà parlé dans un dernier podcast, puis honnêtement, moi, Bayley, là, je suis pas capable. Tu l'aimais mieux face? Non, je l'aimais mieux face. J'ouvre une petite parenthèse, ma fille, là. Puis ben, arrête de Bayley dans la gueule de face. Ah ouais, puis là, elle aime plus parenthèse. Plus parenthèse. Fuck off. Tu sais, putain, lutte à ta fille, toi? Ma fille tripe pas lutte. Ah non? Mais, sauf Bayley. Quand elle était faite. Ouais, ben Bayley, c'est parce que c'est ça, elle tapait dans les mains des petites filles, puis ouais. C'est ça, puis les petits-enfants. Elle avait un entrée avec des trucs gonflables. Des genres de ballons, je sais pas trop. Les bonhommes avec les bras dans les airs qui shake, là. Comme dans les fêtes foraines. Ouais, genre. C'est ça. Puis ça la faisait bien triper. Puis on a dansé pas mal dans le salon avec sa chanson. Mais c'est dommage un peu. Depuis qu'elle est passée du côté des îles, elle a un côté plus sombre. T'sais. Elle est tombée dans le dark side of the moon. Ensuite, il y a eu le championnat de la WWE. Bobby Lashley défendait son titre et il était accompagné de MVP.
Il était contre Drew McIntyre et Braun Strowman. Et Bobby Lashley nous a pris par surprise en faisant un spear à la fin à Braun Strowman pour remporter le combat. Bobby, il a encore gagné, Bobby. Quoi, qu'est-ce que t'as contre Bobby? Toi, il est fort, non, Bobby? Ben, je sais qu'il est fort, le gros Bobby. Mais il n'y a pas de micro. C'est ça, c'est pour ça qu'ils mettent MVP. Ouais, MVP fait un sale job. Puis c'était un très bon lutteur, ouais. MVP. Je comprends pas pourquoi il lutte plus. Il était très hot. Beaucoup. Mais Braun Strowman a quand même livré de la marchandise. Durant le combat, il a fait une bonne interprétation. Puis un bon combat, là, un bon 14-15 minutes, encore une fois. Mais deux triples menaces dans la même carte, je trouve ça un petit peu lourd. Mais bon. Ben, il voulait faire une nouvelle formule pour faire changement, peut-être. Ensuite de ça, un combat que j'ai aimé, mais j'ai été déçu pour plusieurs raisons. C'était, ben dans le fond... T'as aimé ça que Cesaro gagne? La finale mettait le champion Roman Reigns avec Paul Heyman contre Cesaro. Pour le titre universel. La première des choses, les finales, là, à 30-40 minutes, on peut-tu arrêter ça? Ouais, quasiment duré une demi-heure. Tu sais, je pense là à Hogan puis Warrior dans le temps. Là. WrestleMania 6. Un combat de 50. Non, c'est 25 minutes et quelques là, que ça dure. Ah non, plus que ça. Ouais, ben avec les entrées, c'est ça, ça monte. J'ai eu le temps d'aller faire mon épicerie. Ah ben ouais, c'est dans ce cas-là. Ça fait longtemps. Mais je pense que c'est 46 minutes, ça se peut-tu? Une affaire de fou. Genre checkerai, je te dis. Honnêtement, là, ça c'est mon avis, mais tu sais, un combat qui dépasse 10 minutes, là, tu perds le monde. Là. À un moment donné, t'es le même. Des... Boring, là, ça. Ah, c'est parce que là, tu sais. Puis surtout, tu sais, Roman Reigns, il n'y a pas un set move genre incroyable, là. Tu sais, quand il a fait son Superman Punch, puis son gore, là. Son spear, son gore, là. C'est, t'as fait le tour, là. Tandis que Cesaro, tu sais, tu peux le mettre contre un balai, puis il va. C'est vraiment Cesaro qui a l'idée le combat, là. On peut-tu se le dire? Il a fait quelque chose comme 10 uppercuts, je pense, dans le combat. Ah, c'est le roi des uppercuts. Oh, ouais, ben. Ouais, la lutte européenne aussi, hein. Oui, c'est vraiment un bon lutteur. Il parle français, c'est ce style-là. Ouais, il parle plusieurs langues. Oh, oui. Alors, c'était tout pour le WrestleMania Backlash. Nous allons enchaîner avec le prochain sujet. On va parler de Miz. De Miz. T'avais-tu quelque chose à dire sur Miz? T'as vu que j'en parle? De Miz, dans le fond, saviez-vous que de Miz. Il a remporté une autre fois le championnat intercontinental. Non, non, s'il remporte une autre... OK, s'il le remporte... Si... OK, c'est ça, excuse-moi. Excusez-nous, non, les internautes. Il y a beaucoup d'informations, puis ça peut nous glisser entre les pattes. Le mythe, c'est ça, s'il remporte, dans le fond, une fois de plus le titre intercontinental... Il ne sera qu'à 25 jours. 25 jours, dans le fond, du record de Pedro Morales. Pour le plus grand nombre de jours en tant que champion intercontinental, qui est... 617 jours, les amis. 617 jours, c'est ma note, pareil. Hein. Le Miz est également à une victoire d'égaliser le record de 9 règnes de Chris Jericho. Selon vous, est-il en train de devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps? On vous pose la question, vous pouvez commenter. Ouais, puis il y a un truc que je vais trouver ça un petit peu... bizarre. Ouais, vas-y. Tu sais, le fait que certains champions dans le milieu indépendant ou même la WWF, malgré que la WWF, ils n'ont pas... WWE, je pense. Excuse-moi. Non, pas rien. Ils n'ont pas arrêté complètement leurs activités. Certaines fédérations ont des champions actuels qui ne roulent plus en ce moment. Ouais, à cause de la COVID, t'as pas fait. Non, je le sais, mais ils ont été un an et demi arrêtés. Non, je comprends. Mais... là, ils vont rajouter un 365 jours de plus dans... Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont capables... Moi, je te le dis. T'es certain? Je te le dis, c'est ça qui s'en vient. Je trouve ça un peu weird, là, tu sais. Honnêtement, tu sais... quand t'es champion, il faut que tu défendes ton titre, là. Tu peux pas être genre assis sur le banc... Ouais, mais là, à cause de la COVID, tu peux pas faire autrement. Non, je le sais. Comprends. Mais tu sais, trouvez-vous des solutions, tu sais. Ouais, je sais. Des matchs à huis clos comme la WWE, ou... Tu sais, vous pouvez pas faire rien puis attendre que le soleil se lève, là. Au t'sais, Japon, je pense qu'il y a des shows pareils. Au Mexique, tout. Que, oui, je pense que oui, ça a commencé à recommencer. Oui, ça roule pas présentement. Même. Ça s'en vient, là. La WWE, d'ailleurs, récemment, ont annoncé qu'ils recommençaient à faire des spectacles avec des gens dans la foule, là. Ils ont annoncé comme une vingtaine de... Je pense que c'est 23... spectacles, ça se peut. Je pense que c'est 23 spectacles, puis ça va commencer à Houston. Ouais, c'est ça. T'as fait raison. C'est ça.
C'est une tournée qui va durer à peu près. C'est en juillet, je pense, jusqu'au mois d'août, la fin. Ouais. Ou en septembre. Ouais, ouais, ouais. OK, on avait parlé dans un autre podcast que peut-être que Brock Lesnar allait arriver à la AEW dans une éventualité. Eh bien, détrompez-vous, les amis, car cette hypothèse est écartée, car il se peut qu'il revienne à la WWE pour SummerSlam. Ils sont sûrement en train de négocier un gros contrat lucratif. Probablement qu'ils vont donner soit le championnat universel ou la WWE. Seul l'avenir nous le dira. Un dossier à suivre. Ensuite, nous allons enchaîner avec le prochain sujet. Sami Zayn, il paraît qu'il s'est mis un petit peu dans le... Ouais, il s'est mis un petit peu les pieds dans le plat, dans le fond. Notre Sami... Dans le fond, il semblerait que l'ancien champion NXT et Intercontinental a pris position pour la Palestine sur les réseaux sociaux, probablement à cause de ses origines. À la suite des bombardements israéliens sur Gaza, il y a eu quelque chose, ça a brassé pas mal. Puis, on sait que récemment, depuis plusieurs années, dans le fond, les sponsors pro-israéliens ont demandé à la WWE et à Fox des sanctions disciplinaires. On sait aussi que, on a parlé ensemble récemment, que Vince McMahon et la WWE, ils ont des ententes avec plusieurs rois arabes pour produire des événements en Arabie Saoudite. Ah oui, le Greatest War Rumble, Crown Jewel, ouais, Super Showdown, des choses comme ça. C'est sûr que c'est un petit peu délicat quand on tombe dans un terrain glissant comme ça. Mais même Zayn, je pense à cause de ses origines arabes, il n'osait pas aller lutter là-bas, je pense qu'il avait déjà dit. Je pense que oui. Je vous dis ça sur toute réserve, les amis. C'est pas. OK. Puis, écoutez, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais ils ont un hashtag qui est sorti récemment. Hashtag WeSupportSamiZayn. Commence à prendre de l'ampleur sur les médias sociaux. Donc, va-t-il garder sa job, oui ou non? Je ne sais pas. Une histoire à suivre. On va enchaîner sur le côté les voisins du sud des États-Unis, c'est-à-dire au Mexique, la lutte mexicaine, bien sûr. Eh bien, au gala Triple Mania 29 de la Triple E, mieux connu pour les Espagnols de la Asistencia Asesoria y Administración, qui aura lieu le 14 août prochain au Ciudad Arena de México. Kenny Omega, qui est champion depuis octobre 2019, mettra son championnat Mega, le titre s'appelle Mega, en jeu contre l'ancien de la WWE, Andrade. Ah, oh, le chum à Charlotte. Oh, oui, le genre d'Ric Flair. Oh, oui, le genre d'Ric Flair. C'est toi qui parlais tantôt, là, il est champion depuis octobre 2019, mais probablement s'il n'a pas mis son titre en jeu pendant un an de temps, c'est probablement ça, tu essaies d'expliquer c'est tantôt. C'est ça que j'imagine. Ensuite, qu'est-ce qui arrive avec le gérant de Kenny Omega à la AEW? Don Callis, qui était connu sur Cyrus the Virus, as-tu quelque chose à dire sur ce gentil monsieur? Ben oui, le gérant d'Omega, dans le fond, ne serait plus directeur d'Impact Wrestling, d'après certaines sources. C'est-tu le kayfabe? C'est-tu pour vrai? C'est-tu... Peux-tu s'entendre pour dire qu'il n'a pas fait grand-chose? Hein? Je pense qu'il bouclait. Même à ECW. Là, ben, il était annonceur avec Joe Styles. Il était annonceur, c'était bon. Ouais, mais c'est qui la voix de la ECW? Ah, c'était Joe Styles. Oh my God! Ouais, c'est ça. Nous allons enchaîner sur le continent asiatique. Vous l'avez deviné, la lutte japonaise, mes amis. Eh bien, selon certaines sources, la légende japonaise Kenta Kobashi. Tu te rappelles de Kenta Kobashi, mon ami? C'est vrai, ça qui a signé avec la WWE. Disons que c'est fort probable, car on le voit sur Internet poser avec William Regal, qui lui est très bien expliqué, est très bien impliqué à la NXT, pardon. Je sais pas. Lui, puis Triple H, il run ça pas mal. Là. Ouais. Mais c'est-tu NXT UK ou juste NXT? Je sais pas. Hein. Peut-être les deux. Ben, il est partout, lui. C'est vraiment. C'est un... Lui, puis Triple H, il se promène un peu partout. C'est, bras de, c'est un, une partie d'un bras de Triple H, honnêtement. Là. Il fait un bon travail. Je ne sais pas pourquoi Bashi. Moi, ça serait un rêve, là. Ben, moi, je pense que s'il amenait son savoir aux élèves de NXT, les élèves de NXT pourraient encore plus se perfectionner. T'imagines-tu mettre un dream match Kenta Kobashi contre Walter? Ah ouais, ça serait bon. Ça serait capable. Ah, ça serait trop. Peut-être que ça va se faire, on ne sait pas. On ne sait pas. La AEW ou Impact Wrestling.
lors du AEW Dynamite du 12 mai dernier, écoutez ça, les amis, l'ancien Rousseff a défait Darby Allin et est devenu le nouveau champion TNT. Petite précision, il est à ce jour le premier et le seul athlète bulgare à avoir lutté à la WWE. T'en penses quoi, toi, de Miro? Ben, Miro, ils ont donné... c'est sûr que le bout de temps, il faisait plus rien à la WWE avec ce gars-là. Ils l'ont pas congédié. Je pense qu'il s'est libéré de son contrat. Je pense qu'il y a eu une clause de non-compétition pendant 3 mois. Là, il apparaît du jour au lendemain à Dynamite, l'émission hebdomadaire de la AEW. Là, au bout de temps, il donnait des... Il sacrait des volets à tout le monde, puis après ça, il s'excusait. C'était un peu ça, le personnage. Ah, c'était un peu comme un genre de bipolaire psychopathe, là. Ouais, c'était particulier comme... Mais là, on sait pas trop ce qui se passe. C'est arrivé qu'il y a quelques fois, mais on suit pas beaucoup la AEW non plus. Va falloir qu'on garde davantage. Mais Miro, honnêtement... D'ailleurs, Double or Nothing, c'était hier. Il n'y a pas besoin de présentation. Ah. C'est un bon lutteur. Là. Double or Nothing, c'était hier. Et je ne sais pas s'il a conservé sa strap. Je ne sais pas contre qui il était, mais ça, on va le visionner ensemble. Oui, c'est ça. Puis on va vous donner des nouvelles là-dessus. D'ailleurs, une petite parenthèse juste pour faire rigoler. Toutes tes parenthèses. On veut rigoler et on veut toujours vous divertir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est toi qui m'a dit ça. Ah ouais? Miro, là, ses combats, là, il passe tout le temps en bas du ring. Là. C'est vrai que le 3/4 de ses matchs sont à l'extérieur du ring. C'est vrai. Remarquez bien ça. Remarquez bien ça, les amis, vous allez comprendre. Vous écouterez des matchs de Miro et on s'en rejoint. Ben, Miro, Ben Rousseff dans le tête de la WWE. OK, là, on va parler de querelles. Il paraît que dans les backstage de la AEW, il y aurait certaines querelles entre de gros noms à la AEW. Est-ce que tu peux en parler? Écoute, il semblerait, mais tu sais, c'est comme... C'est-tu dans le kayfabe, c'est-tu pour de vrai? Ouais, c'est ça, c'est un... Je me demande si c'est pas juste de l'attention qu'ils veulent avoir, peut-être. Mais il semblerait que Cody, Leon Box et Kenny Omega... L'actuel champion du monde? Il y aurait une... Puis les actuels champions tag team, ouais, aussi. C'est ça. Il y aurait une querelle en ce moment avec eux. Tu sais, des chicanes là, en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Honnêtement, ça me surprend pas parce que dans ce milieu-là, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'ego. Récemment, ils ont essayé d'éteindre ça en disant il semblerait que c'était soit une fake news ou c'est réglé cette histoire-là ou blablabla. Moi, je pense qu'il y a un Tony Khan ou un exécutif qui a dit là, les gars, vous allez vous entendre, vous allez fermer le mode boîte, puis on n'en reparle plus, puis on dit aux médias que tout est correct, puis c'est blanc comme neige. Mais en tout cas, on espère fort bien qu'ils mettront leurs différends de côté, car c'est quand même les 4 gros noms de la compagnie. Ah, c'est sûr. C'est sûr, mais moi, je prédis là, que dans les prochaines, il va y avoir une guerre d'ego, puis. Tu sais, on parlait de Kenny Omega qui voulait faire un combo, un dernier combo au Japon. Non. Moi, je pense, là, honnêtement, là, Omega, là, en ce moment, il est champion, je pense, à 3 ou 4. Ce que je pense, c'est que Mick ait fait ça, il va tirer à plat. Alors, on verra plus. Tu penses? Ouais. Tu sais, Georges Saint-Pierre l'a souvent dit, tu sais, quand t'es au top, c'est le temps de te retirer au top. Ah, c'est pas fou, ça. Il faut pas que tu te retires quand t'es pas au top. Ah, ben. Quand t'as prouvé ce que t'as approuvé, c'est là que tu t'attires. Exactement. Ouais, t'sais, les promotions, souvent, ils n'aiment pas ça. Georges Saint-Pierre, à l'époque, la UFC l'avait boudé pendant plusieurs mois. Ouais, parce que c'est arrivé à 2 reprises qu'il était champion du monde dans sa catégorie. Puis il décidait de quitter. Mais c'est parce que dans des promotions comme ça, ben tu sais, quand t'es le champion, ben il faut que tu défendes ton titre. Il faut que tu sois partout. Un champion doit défendre son titre, c'est sûr. La tête d'affiche, tu deviens la personne la plus importante de la compagnie. Et souvent, ces promotions-là mettent beaucoup d'énergie, puis ça tire du jus. Georges Saint-Pierre en a parlé, il a fait une dépression suite à ça. C'est vrai que c'est vraiment pas facile, là, la compétition, le succès, puis tout ça. Et d'en parler ouvertement, ce genre de situation-là, les gens... disait souvent, ah oui, mais pourquoi t'es triste, pourquoi t'as fait une dépression, tu fais de l'argent, nanana, mais tu sais, c'est pas facile, là, ce milieu-là. Bref, c'est une autre
grande parenthèse que je fais, mais... Tantôt, là, je pensais à ça, tantôt, on parlait de lutte japonaise, hein? Ouais. Mais là, figurez-vous, on va parler de Chris Jericho par rapport à ça. La superstar et le champion, ben, qui a été le premier champion du monde, le champion inaugural de la AEW, Chris Jericho, a eu une brillante idée de booking. Il voudrait un show entre la NJPW et la AEW. Lors d'une récente entrevue avec Comic Book, le principal intéressé a parlé de l'idée d'un show entre la AEW et la NJPW. Il a déclaré qu'il avait déjà imaginé plusieurs matchs avec notamment Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Kota Ibushi ou encore Will Ospreay. C'est pas facile à dire. Ouais, exactement. Il a rajouté qu'un show entre les deux fédérations ferait gagner beaucoup d'argent, avec par exemple des angles d'invasions. Il a émis l'idée d'une invasion de la AEW à Dominion en juin, ou encore, pourquoi pas, une invasion de la NJPW lorsque la AEW sera de retour au Madison Square Garden. Il a terminé par dire qu'il garderait cette idée dans un coin de sa tête. C'est sûr que les grosses vedettes de domaine, ça a des idées de booking. Là. Mais ouais, mais tu sais, il n'a rien inventé, Chris Jericho. C'est juste qu'il y a l'expertise, tu sais. Parce que si tu te souviens. Il n'a rien inventé. Dans le temps, la WCW, là, ils ont fait des. Des shows japonais. Tu sais, ils ont fait des. La WCW aussi. La WWE à l'époque, il y avait un lien avec le Japon. Je me souviens que il y avait des. Des Akushi et des Great Muta sur des cartes de la WCW. Il y a des Joshin Liger aussi. À plusieurs reprises, il réinvente rien. Là. T'sais, la lutte en tant que telle, c'est une roue qui tourne. Il prend des idées puis il refond d'autres choses. C'est du pareil au même. On parlait de c'est du pareil au même, tu dis. Blood and Guts. Ouais. Ils ont rien inventé. Ça a déjà été fait, ces combats-là. T'sais. Mais c'est une roue qui tourne. Puis j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve au niveau de la lutte parce que on dirait que tout a été fait. Puis c'est pas facile d'innover. T'sais. Puis quand ils décident d'innover, on dirait qu'ils scrapent les storylines, puis on sait pas trop ce qui se passe. Je donne l'exemple d'Alexa Bliss, oui. De Finn, on n'entend plus parler. Ouais, mais là, je sais pas c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Aucune idée. Honnêtement, en tout cas, bref, c'est pas facile. On va continuer sur la AEW. Ouais. L'émission hebdomadaire de la AEW Dynamite quittera le réseau américain TNT pour être diffusée sur une autre station du groupe Turner, TBS, à partir de janvier 2022. Oui. La raison principale est l'arrivée de la Ligue nationale de hockey le mercredi soir à TNT. The Wrap ajoute cependant que la National Basketball Association, la NBA, oui. Et le sport collégial compliquaient la situation au niveau de l'horaire de diffusion de Dynamite. Mm-hmm. Cette émission sera présentée le mercredi soir, comme c'est le cas actuellement. Également, la AEW aura une deuxième émission hebdomadaire, AEW Rampage, sur TNT dès le vendredi 13 août, 22h. C'est-tu moi ou bien la AEW, là, eux autres, le trip, c'est de faire des shows télévisés puis de mailer le monde? Ben non, mais si on a la chance d'avoir un réseau télé. Non, je le sais, mais Christy, c'est assez dur dans ce business-là. Vous n'avez pas, genre, un show, là, puis vous le faites pas diffuser partout. Pour que, d'un, tu augmentes tes codes d'écoute, puis que tu arrêtes de faire du booking, puis de perdre ton temps sur des affaires, de splitter plein d'affaires, tu sais. Là, il y a AEW Dynamite, il y a Dark. Ouais, Dark, c'est comme le Heat un peu. Ouais. Puis là, il va avoir ça. Rampage. Ouais, mais par exemple, l'émission va durer une heure. Cependant, elle s'en ira sur TBS en 2022. On sait pas quel mois, là. De plus, quatre émissions spéciales s'ajouteront annuellement à la programmation de TNT dès 2022. Fouillez-moi quel mois, on ne le sait pas encore. Ouais, pas encore. Ce sera des Supercards Event de calibre pay-per-view. Au Canada, Dynamite demeurera bien sûr à TSN. On ne sait toutefois pas si la nouvelle émission du vendredi et les événements spéciaux seront également diffusés à ce réseau, mais ça se peut fort bien. Ça me fait penser dans le temps où TNT diffusait la ECW. Il y avait les TV tapings de la ECW. C'était pas Spike TV? Ah, c'est TNN. Hein? TNN, mais c'était TNN. Anciennement Spike TV. Ouais, c'était ou l'inverse. Là. Ouais. Mais en tout cas, ils disent de caler pay-per-view, j'ai vraiment hâte. Parce que, comme on en a déjà parlé, le seul pay-per-view qui m'a fait triper, c'est il y a un an, les deux frères rencontrent l'autre. Pas encore ça. Ben, je change la recette, maudit.
Nous allons enchaîner sur le côté lutte indépendante, mesdames et messieurs. Yes. C'est une grande nouvelle à annoncer sur un membre des Rock'n'Roll Express. Vas-y donc. Tu sais, on parlait tantôt de Rey Mysterio et de son fils. Tu sais, qui ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Un titre par équipe à la WWE récemment. Ben, Ricky Morton des Rock'n'Roll Express est devenu champion tag team avec son fils Kerry à la JCP, la Joe Casana Promotions, dans le Tennessee en mai dernier. C'est l'une des rares fois. Ça fait pas deux, trois semaines de ça. Hein? Qu'il n'est pas champion avec son ami de toujours Robert Gibson pour faire les Rock'n'Roll Express. Hein? C'était hot, hein? C'est où qu'ils ont lutté, donc, dis-moi donc ça? Ils ont eu bien du succès à la NWA, AWA, la WCW bien sûr, et la WWF. Ouais, mais dans le temps, ils défendaient le strap NWA, je pense. Ouais, c'est ça. Puis ils ont été Tag Team of the Year en 1986, selon la revue Pro Wrestling Illustrated. Puis ils ont été intronisés au temple de la renommée du Hall of Fame en 2017. Là, on a une triste nouvelle à annoncer, c'est le décès d'une légende de lutte, ben, légende, faut le dire vite, d'un lutteur hardcore à la ECW. C'est assez dur, cœur sensible s'abstenir. Tu veux que j'en parle ou tu veux j'en... Vas-y. Eh bien, le 14 mai dernier, la vedette hardcore New Jack, de son vrai nom Jerome Young, succombait à une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Il s'est fait connaître notamment à la ECW, XPW, SMW, TNA et quelques autres fédérations indépendantes. Oui, c'est ça. Puis récemment, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'hommages en lien à New Jack, The Original ECW New Jack. Ah oui, Paul Heyman, son hommage qu'il a fait, c'était bon. Oui, puis il disait que malheureusement, ils ne peuvent pas faire une vidéo un hommage à New Jack parce que pratiquement l'ensemble de son œuvre de New Jack n'est pas présentable à la télé. C'est, New Jack, c'était un personnage, c'était une personne qui était dangereuse, et puis c'était une personne qui pratiquait un style de lutte qu'on appelle hardcore. Mais le garbage vraiment, wrestling, ouais, le vieux terme. C'était particulier, c'était un vrai gangster, puis... il en venait dangereux. Je sais pas si vous avez... Ben, il en venait pas. Il était dangereux. Il a fait de la prison. On se souvient dans... Beyond the Mat. Dans une mission Dark Side of the Ring. Ah, dans Dark Side of the Ring, ouais. Puis, ils ont une émission spéciale sur New Jack. Puis New Jack, c'était vraiment un personnage. Puis, en fait, j'ai jamais compris pourquoi New Jack... avec tout ce qui s'est passé autour de lui, a eu une carrière de lutteur, tu sais, parce que j'ai vu des vidéos là, où il n'y avait pratiquement pas de monde en foule, c'était de l'indie, là, tu sais, ça faisait penser un petit peu quand on allait lutter d'un sol d'église à Portneuf, là. Tu sais, oh, genre, je comprends. Tu sais, il y avait à peu près 20 personnes dans la foule, Chris New Jack, il sort un couteau puis commence à poignarder le gars. Un couteau, là. Non, là, ça c'est trop. Là. Ouais, ça, là, c'est intense, là. Tu sais, il y a ça, puis, tu sais, tantôt, on parlait de Ricky Morton. Ben, je sais pas si t'as vu cette vidéo-là, mais cette vidéo-là, elle est traumatisante. Il en parle dans Dark Side of the Ring? Ouais. OK, ça, pareil, j'ai l'écouté, là, je sais pas ça. New Jack ouais. Est avec son partner, C'était Mustapha, dans le temps? Mustapha. Les gangsters, là? Ouais, les gangsters, OK. Ils se battent contre les Rock'n'Roll Express. Ouais. Je pense que c'était la SW. Je suis pas certain. Okay. Je suis vraiment pas certain de ce que je dis. Je pense que oui. Ce qui va suivre. La vieille SW. Je suis certain. Ouais, okay. Le combat est terminé. Et puis, New Jack décide de péter une coche. Et puis, de continuer. Ricky Morton. Non. Ricky Morton est dans la ring. Il est au sol. Il vient de perdre son combat. Robert Gibson est à l'extérieur du ring. Et New Jack, il décide de, genre, péter une coche avec Mustapha, de dire c'est nous autres les meilleurs, c'est nous autres les... En tout cas, bref, il est un petit peu disjoncté, puis il commence à frapper violemment pour vrai, genre, Robert Gibson. Puis genre, t'entends Robert Gibson crier à la foule, « Help me, help me ». En voulant dire, « Aidez-moi, il va me tuer, genre ». Genre. Ah non, là, c'est trop grave. Non, honnêtement, c'est il fait sa gimmick à 100% tout le temps. Ah, mais c'était... même vivre une gimmick, tu comprendras que, tu sais,
comment tu peux te rendre là puis avoir autant de haine envers quelqu'un. Autant de controverses aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand Paul Heyman disait que c'était un real gangster, ben c'était vraiment un real gangster. Puis tu sais, il a passé en cours devant des avocats, puis tout ça, tu sais, c'est... Mais en même temps, ça faisait un petit peu le charme de la ECW. Tu sais, l'espèce de personnage, c'est ce qui faisait en sorte que... Le personnage... Le concept de la ECW... Le personnage ghetto, un peu. Il disait que c'était extreme, là, ben ça, c'était extreme. Non, mais le personnage bandit ghetto, là. Ouais, c'est sûr. Bref, c'est notre hommage qu'on fait à New Jack. R.I.P. New Jack. Yes. New Jack a travaillé avec la ECW, XPW, SMW, la TNA et plusieurs autres. D'ailleurs, la XPW est un concept qui se rapprochait un petit peu de la ECW. Beaucoup de gangsters traînaient la Pogo de clown. Il y a une rumeur qui disait qu'un des promoteurs, ça serait fait couper un doigt, ou je me souviens pas quoi. Oh, ça fallait vérifier ça. Ouais, mais ça brassait là-bas. Là. C'était pas pour les doux là, de lutter à XPW. Là. On va parler d'une ancienne grosse vedette qui est rendue dans le cinéma depuis plusieurs années. Vous l'avez deviné, c'est The Rock. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est fait faire un nouveau tatouage par un artiste nommé Yomi Court. Et également, il se met en forme, il se met full en shape, car il interprétera, excusez-moi, le super-héros Black Adam, et la sortie du film est prévue pour 2022. Il n'y avait pas une affaire sur un journaliste d'ESPN que tu voulais mentionner? Oui, dans le fond, le contrat du journaliste ESPN... Ariel Helwani est sur le point d'expirer. Ceux qui le connaissent savent qu'il couvre notamment la UFC et MMA. Eh bien, il ne dirait pas non à la WWE ou la AEW. C'est du moins ce qu'il a dit récemment dans une interview. On va parler d'une personne que ça fait peut-être le genre depuis quoi? Depuis WrestleMania 36 qu'on n'a pas entendu parler. C'est la grosse vedette actuelle de la WWE, le 16 fois champion du monde, John Cena, qui va produire une série télévisée, une première expérience pour ce catcheur. La série qu'il va produire va s'appeler WWE Evil et sera diffusée sur la plateforme de streaming Peacock aux États-Unis, qui diffuse maintenant le contenu du WWE Network également. Cette série va mettre en avant les vilains tout au long de l'histoire de la WWE. Cette série promet de nous faire découvrir l'esprit de ces personnages diaboliques et leur impact dans la culture populaire. Un concept qui a été créé par John Cena et accepté par le groupe NBCU Universal. En plus de produire ce show-là, John Cena en sera aussi le narrateur. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion va commencer. Un petit peu comme dans le fond, Chris Jericho avec Dark Shadow. Ouais, si on veut, exactement. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. C'est ça, il va être le narrateur. Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion va commencer. Le tournage n'a même pas encore débuté. C'est un projet qui va aboutir à ses débuts. Tantôt, tu parlais de... je passe du coq à l'ongle, mais tu parlais dans le fond du journaliste de ESPN. Ben oui. T'as-tu écouté la Raw récemment? Non, je l'ai pas écouté cette semaine. J'ai lu les résultats. Au congédiement de Samoa Joe, ils ont engagé un nouveau commentateur. Oui! Il s'appelle Adnan Virk. Oui, tu m'en as parlé l'autre fois, ouais. Je crois que c'est comme un arabe ou un indien, je crois, c'est une personne d'origine musulmane. Soit asiatique, africaine, en tout cas. Puis, ils se font bien dans le moule, pour vrai, j'adore sa voix. Ok, ben c'est bien. Oui. Il doit avoir un accent quand il parle, par exemple? Non, du tout. Ah, ça devrait être séparé, c'est une adjointe. J'aime vraiment beaucoup son travail, donc félicitations. Puis, y avait-tu d'autres nouvelles, mon Ben? Oui, mon cher ami. Ton lutteur fétiche? Oh non, là, arrête-moi ça. C'est vrai qu'il était planté. Vous vous rappelez de celui qui interprétait un personnage de Russe? En réalité, c'est un Ukrainien. Eh bien, c'est Vladimir Kozlov. Vous savez qu'il a quitté la WWE il y a presque 10 ans pour devenir acteur et cascadeur. Eh bien, il est en excellente forme et aimerait bien défier le grand Brock Lesnar pour un match... exhibition en MMA. Toi, si t'aurais de l'argent à mettre, tu mettrais ça sur qui? Je mettrais ça sur Brock. Je pense que Brock a trop d'expérience. Tu mets Poutine ou pour Brock Lesnar? Non, Brock Lesnar. Brock Lesnar, moi aussi, je pense. Brock Lesnar a trop d'expérience. Yes. Écoute, on parlait de lutteur fétiche, mais la prochaine nouvelle, c'est ton lutteur fétiche. Ouais, t'es aussi bien de le dire, toi. Yes. Écoutez,
Il y a maintenant la légende de la lutte Ted DiBiase qui est rendue avec du café. Tu sais, on parlait de Kiss l'autre jour qui avait sorti du café. Ah ouais, mais là, Ted DiBiase est avec son DiBiase, café. Ted DiBiase, il a lancé son café sur son site web. C'est vraiment cool. Comment il va s'appeler son café, là? Million Dollar Coffee. Everybody has a prize. Everybody for a million dollar prize. Ouais, c'est ça. Vous pouvez voir... Mon île préféré. Vous pouvez voir qu'il est maintenant disponible sur son site web, comme je disais, au milliondollarman.com. Et puis, il y a aussi de la spicy sauce qui est disponible, donc de la sauce piquante sur son site web. Et récemment, le Million Dollar Man Ted DiBiase a fait une apparition à NXT. Ouais, ouais, c'est à peu près 2 semaines. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et pour finir notre épisode, tu voulais parler des anniversaires de juin. Quelques anniversaires du mois de juin, bien sûr. On les nommera pas toutes parce qu'on va être encore ici demain matin. La première aura lieu le 2 juin, ben dans 2 jours, où, selon moi, qui est c'est le meilleur lutteur de tous les temps, vous l'avez deviné, le Phenomenal One AJ Styles. Eh bien, le 2 juin prochain, il aura 77 ans, qui sera le prochain anniversaire. Quel sera le prochain anniversaire? Le 6 juin prochain, ça va être l'anniversaire de Drew McIntyre, qui va avoir 36 ans, si je me trompe pas. Le Scottish Warriors. Yes. Je vais en skipper un, mais je vais passer à Bayley, qui le 15 juin 1989 va fêter son quel année? Son 32e anniversaire. Yes. Cody va fêter aussi ses 36 ans le 30 juin. Oui, c'est ça exactement. Yes. Et je vais terminer notre épisode avec Mark Henry, qui va fêter ses... en fait, le 12 juin prochain, il va fêter son anniversaire. 51 ans. 51 ans, Mark Henry. Je voulais finir en beauté avec Mark Henry. Ah oui, ben vas-y. Yes, c'est pour ça que quand j'ai vu Mark Henry, ça m'a donné une idée de fin pour notre épisode. Je te vois venir avec Mark Henry, oui. Ben, t'as-tu vu le changement drastique de poids de Mark Henry? Ah oui, ça fait 3 semaines, je pense, que tu l'as publié, cette photo-là. Ben, c'est incroyable. Hein? Je pense qu'il y a eu beaucoup de views, il y a beaucoup de likes. Oui, puis les gens partagent beaucoup. Un gars qui s'est toujours entraîné. Ben, oui, tu sais, il y en a beaucoup là, qui se reprennent en main. T'sais, on parlait de PO Méthode, on parlait de plein d'autres mondes comme ça. Ah, on parlait de Michel Charrette. À un moment donné, dans un de nos épisodes, c'est important de se prendre en main et de se garder actif, surtout dans le moment de confinement. Donc, gardez la santé, tout le monde. On est à la fin mai, il commence à faire beau, c'est motivant. On peut aller courir dehors ou juste marcher, juste prendre l'air, ça nous fait du bien, ça nous oxygène le cerveau. Donc, c'est ici que se termine notre podcast émission 4 sur la lutte. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous sommes disponibles sur Spotify, en balado diffusion, sur notre YouTube channel et sur les médias sociaux. Balado, Spotify, Instagram. C'est ça. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans quelques instants débutera notre revue musicale du WrestleRock Podcast. Alors soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."